après le 11 septembre, on avait peur de tout. Les avions ont pu être détournés. Que ça puisse se reproduire. Il s'agit d'un attentat terroriste, selon toute vraisemblance. J'étais en doctorat depuis 24 heures. Changer toutes mes UV en sécurité nationale. Bonjour, Dan. Madame la sénatrice. Vous avez lu l'article dans le New York Times? Il apparaît que la CIA a détruit des enregistrements d'interrogatoires de détenus Al-Qaïda. Je veux donc savoir ce que contenaient ces enregistrements et pourquoi on les a détruits. Ni de papier. Le papier, ça cause plein de problèmes dans notre maison. Dans notre maison, à nous. Le papier permet de se rappeler nos lois. Hier soir, je trouve ceci. Ce sera le détenu numéro 24. Vous l'avez déjà utilisé, cet appareil? Non, on a vu des vidéos. Cet homme a subi la baignoire 183 fois. Tout ce que KSM leur a fourni était soit un mensonge, soit une information déjà connue. Si ça fonctionne, pourquoi doit-on y retourner 183 fois? Publier ce rapport provoquera peut-être une prise de conscience. Je suis en désaccord complet avec l'histoire que vous essayez de vous raconter. Les États-Unis ne recourent pas à la torture. Faites pas n'importe quoi, Daniel. Ils ne peuvent pas détruire le document. Ils se rabattent sur le second choix, vous. Ils prétendent avoir sauvé des vies. Ils n'ont réussi qu'à rendre impossible de poursuivre un des pires criminels de guerre. Parce que si son affaire était dévoilée par un de ses avocats, il y a un non-lieu d'office. Ce type a organisé le 11 septembre. Il est hors de question de permettre au pouvoir exécutif de nous muscler. C'est de recueillir du renseignement, de sauver des vies américaines. L'histoire est écrite par les vainqueurs. On change notre approche. Vous avez vu leurs études? Rien n'est plus loin de la vérité. La démocratie, c'est brutal. Si on avait votre rapport, on le publierait demain. Non. Si ça doit sortir, faut que ça sorte comme il faut.